Allons retrouver Mike Gauthier. Vous connaissez Mike, c'est l'encyclopédie de la musique un peu partout, notamment au Québec. Salut, Mike. Salut. Écoute, souvent, malheureusement, depuis un petit moment, tu es souvent appelé à venir commenter le départ d'artistes. Mais dans le cas de Carl Tremblay, c'est vrai, on sent l'onde de peine, l'onde de choc là, qui secoue le Québec en ce moment. Oui, tout à l'heure, moi, je l'ai appris de façon particulière. Je revenais d'aller promener le chien, puis le téléphone, ça essaie pas de sonner. Puis là, je me suis dit, OK, là, il arrive quelque chose de pas correct. Je me suis dépêché à revenir à la maison, puis là, je voyais la liste de gens avec qui on m'a demandé d'échanger sur le décès de Carl. Moi, je les ai vus arriver, les Cowboys Fringants, en Musique Plus. On les a vus, on les a aidés dès leur début. Avec Marcel Galarneau, le vidéoclip, on jouait ça, puis ils venaient souvent faire un tour en Musique Plus, puis ils venaient nous rencontrer, puis on avait échangé. Puis en plus, beaucoup plus tard, même quand le groupe est devenu très populaire, Carl collaborait à l'émission de Denis Talbot, Monsieur Net, et puis c'est un fan de jeux vidéo, puis il venait parler avec Denis qui avait essayé des jeux vidéo, il devenait critique. Fait que je trouvais ça le fun de voir quelqu'un qui aurait pu s'asseoir sur son titre de chanteur d'un band bien populaire. Ben non, il avait une passion, puis il voulait partager sa passion des jeux vidéo avec les gens qui regardaient Musique Plus à l'époque. Puis aussi, Carl, ben moi, je trouvais toujours ça le fun. Il y avait beaucoup de réserves à faire des entrevues. Hein. Il en accordait, puis quand il en accordait, ça allait bien. Mais des fois, on passait des appels, puis on disait « On peut-tu quand même y parler? » Puis ils nous disaient « Ben non, ils n'ont rien à dire. » Puis là, on disait « On travaillait un peu. » Puis finalement, ils disaient « Oui. » Moi, je me rappelle, 2017, je faisais de la radio parler à Québec. Puis ils avaient joué, les Cowboys, ils avaient joué sur les plaines. Puis je me rappelle encore de Carl, qu'il ne savait pas que c'était moi qui allais faire l'entrevue avec lui, parce qu'on était au téléphone, puis il me dit « Hey, Mike! » Là, on déborde un peu, il me demande comment ça va, ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu à TV, entendu à la radio. Fait que j'avais trouvé ça gentil de sa part, puis je pense que c'est la relation qu'il avait avec tous les fans, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde, ce soir, a quelque chose à dire sur les Cowboys Fringants. Ils ont vu un show, ils ont croisé, ils ont eu du fun avec des chums, ça leur rappelle des moments... le fun de leur vie d'étudiant, tout ça, ça fait que c'est pour ça que ce soir, on est pas mal tout ébranlé au Québec. Et c'est ça, ce que je note aussi, parce qu'il y a un peu le paradoxe, il y a le côté festif des Cowboys, mais en même temps, à un moment donné, il s'est développé une grande profondeur de réflexion qui collait avec les temps modernes actuellement, je pense à l'environnement, les problèmes sociaux également. Mike, évidemment, on comprend tous que Carl Tremblay et les Cowboys vont laisser une trace indélébile dans l'histoire de la musique du Québec. Tu sais, quand tu places ça dans son contexte, il y a eu peut-être Harmonium dans la génération précédente et il y a les Cowboys aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bien, c'est un groupe qui va avoir marqué la musique québécoise, qui va influencer. Je voyais le commentaire tantôt d'Émile Bilodeau. Il y a possiblement beaucoup d'artistes comme Émile Bilodeau qui ont commencé à jouer de la guitare acoustique, puis à jouer des tunes des Cowboys, puis même Sarah Dufour aussi, qui disait 20 ans plus tard, 20 ans en 2003, je les ai vus sur les plaines, puis 20 ans plus tard, je jouais avec eux autres sur les plaines. Fait qu'il y a possiblement beaucoup de gens qui nous regardent actuellement, beaucoup de gens de cette génération-là qui ont commencé à s'intéresser à la musique, puis peut-être aussi avoir des textes un peu plus sérieux, un peu plus comme on entend souvent au Québec, puis les Cowboys étaient très bons là-dedans, puis on est peut-être porté à l'oublier, mais Carl était vraiment un bon acteur pour la musique que proposait Jean-François Posé. C'est pas mal lui qui fait toute la musique. Et puis, Carl, là, tantôt, j'écoutais « Mets ta main sur mon épaule », là, puis j'avais l'impression d'avoir un ange gardien qui me chantait la toune en disant « Regarde, oui, il y a des moments difficiles dans la vie, mais ça peut se replacer. » Puis avec la finale, la dernière phrase, là, ça prend un autre sens ce soir suite au départ de Carl. En terminant, Mike, est-ce que je peux te demander, as-tu une pièce, toi, en particulier, que tu apprécies chez les Cowboys? T'as une toune préférée, comme on dit au Québec? Bien, l'Amérique pleure, là, c'est vraiment une belle toune. Puis en plus, on arrivait dans la pandémie à ce moment-là, puis là, on voyait qu'on avait besoin de... Les gens racontaient leur vie. Moi, ça m'avait touché beaucoup, puis ça jouait beaucoup à la radio. Marcel Galarneau va toujours me faire sourire parce qu'à Musique Plus, on le diffusait en masse, le vidéo. Il était drôle, mais Toune d'automne, c'est une des belles chansons que les Cowboys nous ont proposées, puis que Carl est tellement bon, est tellement un bon narrateur dans cette toune-là. Là. Il nous racontait vraiment ce qui se passait, puis sa force, c'est qu'on avait l'impression qu'il nous parlait à tous et chacun. Il chantait pas pour la masse, il chantait pour nous autres, une seule et unique personne. T'as raison, tu mets le doigt sur quelque chose. Merci, Mike, toujours un plaisir.